Bonsoir, Fabulin. C'est un plaisir pour moi, ensemble, avoir pas midi. C'est un plaisir pour aussi la regarder nous, et à travers YouTube, à travers Facebook. Et nous souhaitons déjà une bonne participation puisque les séances après-midi sont séances qui annoncent la couleur, sont séances qui annoncent enrichissant. Puisque il y a plusieurs termes qui viennent pour débattre. Le premier terme, c'est un peu de Brésil, parler du Brésil. Et deuxièmement, nous avons un manche qui est très intéressant, c'est une tête qui fait couler beaucoup d'encre et qui m'a interprété tout. Et nous pensons après lui dire notre occasion pour que nous capables de faire la lumière autour de lui-même. C'est un plaisir de m'avoir pour vous. Merci, Frère Samuel. Nous comptons bien avec nous dans la live. Et Ronald Joseph, nous sommes bienvenus et nous conseillons qu'à arrêter assister à la live jusqu'à la fin parce que là, je dis, très intéressant. Nous avons un débat biblique là-dedans et nous allons parler un peu du Brésil et à la fin de la live, nous allons poser des questions et questions à un monde qui gagne. Parce que répondre avec question, mon avenir, mettez venir pour mon nom, si la ville Haïti ou bien en République Dominicaine. Nous sommes bienvenus en bas là, Ronald Joseph. Et nous avons commencé à parler de Brésil. Brésil, c'est un gros pays qui trouve dans l'Amérique du Sud. C'est lui-même qui est plus gros dans l'Amérique. Et nous parlons de plus gros, c'est lui-même qui gagne plus superficie. Il y a un pile territoire dans l'Amérique du Sud. Là, il y a un territoire qui est égal avec 8 716 000 km². Nous, c'est pas jouet. Nous allons comparer là avec Haïti. Haïti, pays nous. Nous avons un seul État dans le Brésil. Là. Si nous avons un État São Paulo, le plus gros passé Haïti. Et le Brésil, c'est un gros pays. Et Brésil, c'est le seul pays en Amérique du Sud qui offre un pile avantage. Et nous avons regardé tous les pays qui sont en Amérique du Sud, avantage que Brésil baille, l'autre pays n'a pas baille avantage, ça vraiment. Premièrement, leur entrée au Brésil, premier bagage qu'ils ont joint, ça a les coûts portugais gratis. Parce que leur entrée dans le pays, premier bagage qu'ils ont cherché, connaît comment le pays a fonctionné et chercher adapté avec langue pays. Parce que si vous ne pouvez pas parler langue pays, il est un peu difficile pour venir travailler. Bien que vous avez un travail, mais si vous parlez langue pays à parler, ou commencez à dégager dans la langue, il est plus facile pour que vous puissiez venir un emploi. Parce que gain si vous n'attendez rien du tout dans la langue, vous ne pouvez pas prendre. Mais si vous déjà dégagé dans la langue, ou après, la très facile pour que vous puissiez venir un emploi. Et deuxième bagaille que nous joignons au Brésil, nous pouvons parler de système santé, nous pouvons parler de système éducatif, là, comment il fonctionne. Système santé Brésil, et nous parlons qui pays que nous pouvons comparer avec système santé que Brésil gagne. Brésil, chargé avec l'hôpital, et majorité de l'hôpital qui gagne, c'est l'hôpital public, l'hôpital l'État. Bien qu'il gagne l'hôpital privé, mais l'hôpital privé, ça, il est très cher. Il faut gagner plus l'argent pour aller là-dedans. Et ça fait le gouvernement lui-même, lui mettait en pile l'hôpital. L'hôpital, l'État. L'hôpital, ça, l'or ou pas payer, yon good. C'est gratis qu'il va aller l'hôpital, quelle que soit la maladie qu'il a gagné. Hein? Et par exemple, une fille qui va le faire, qui va l'accoucher, qui a fait césarienne, si elle n'a pas besoin d'un good pour le payer, l'État vraiment mettait l'hôpital là gratis pour tout le monde qui a jeune. Mais il faut que nous disions la vérité à Jean-Nia. L'hôpital est gratis, vraiment. Mais il faut qu'on ait patience. Il faut qu'on ait patience parce qu'il y a un pile de monde qui toujours aller à l'hôpital là. C'est rendez-vous que vous avez. Par exemple, si vous avez un patient ou bien, vous allez à l'hôpital là. C'est rendez-vous que vous avez. Pourquoi ça vous avez rendez-vous? Parce que il y a un pile de monde qui vous attend. Il y a un pile de monde qui est obligé de rendez-vous soit après un mois ou bien deux mois pour retourner. Mais si toutefois ou passant tout bien dit tout ou antigen grave gagne urgence ou capable aller dans urgence pour que capable premier et yo bon jeune gens de médicaments ça ou obligé à l'acheter médicament. Mais quand même nous c'est li bon de toute façon li bon parce que la taille nous Haïti gagne l'hôpital l'état vraiment vrai mais gens que ça brise la fonctionner l'hôpital brise le fonctionnaire
ça Haïti yo yo pas fonctionné comme ça vraiment. Yo pas fonctionné comme ça. Et bien ça les quatre et carton sous avec carton sous ça, là après nous entrer Brésil ou fin faire CPF ou faire carton sous là, il est très important pour gagner pour que ou capable et à chaque fois que vous allez faire une consultation pour que vous capable présenter lui pour que vous capable consulter. Et le système éducatif, à faire l'école et université, etc. Comment que vous fonctionnez? Dans le pays Brésil, majorité l'école qui majorité c'est l'école l'État. L'État mettait l'école gratis. Quand on pas payé, ils ont goût et ils ont bon manger encore. Yo juge bon yo di swa pe étudier pa ka grand goût pa refè Samuel tout à fait c'est évident ouais. Ça ne vide pas tenté et vent ta famille na prendre oreille donc si fois que ou pa pe étudier au grand goût donc on pense que moyen de transmission et connaissance ça il est vraiment inefficace parce que apprenant lui-même gain des conditions qui doit réunir pour qu'elle capable apprendre et on pense c'est une bagarre et qui a ici. Le fait que du pouvoir de l'école, il tient à ce que faut rentrer dans mon bagage. Et moi, c'est vraiment louable. Oui, exactement, c'est vraiment bon. Faut pour étudier, faut qu'on rentre plein. Faut manger. Faut qu'on mange. Et nous, à Haïti, là, quand nous avons l'hôpital 10 ans, nous avons l'école de l'État, vraiment, oui, mais il faut que nous marraine, faut que nous parraine pour entrer dans l'école de l'État. Faut qu'on paye comme. Mais ici, non seulement l'école là, gratis, il y a bon manger et il y a bon livre encore. Il y a plutôt livre, et bien à la fin année, on remet le livre là, on aller dans l'autre classe, il y a bon l'autre livre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et pour l'université, il y a un peu l'État dans le Brésil, l'université est gratis. Et dans l'État Santa Catalina, dans la ville qui est Chapeco, là, il y a une université gratis, il y a un programme spécialement pour étrangers. Les étrangers ont venu, ils ont seulement fait un test pour étrangers, et puis étrangers sont rentrés dans la faculté normalement. Sans problème. Et la faculté, ça, ils vont manger, et la faculté, tout le monde, ils vont l'argent. Ils vont comme chaque mois, et puis ils ont payé pour logement. Nous avons tous les avantages que Brésil, pays Brésil, baille. Et pour faire coup technique, si tu avais à la pognon, coup technique, il y a un coup technique que le gouvernement mette pour qu'on va l'apprendre sans qu'on va payer. C'est vraiment bon. Nous, le Brésil, c'est un pays, c'est le seul pays dans l'Amérique du Sud qui va étranger. Eh bien, nous qui va étranger valeur et nous bénéficier en pile la gagne. Nous bénéficier en pile la gagne. Et pour faire papier tout, dans un premier temps, l'envie du Brésil, dans l'année 2010-2012, l'envie du Brésil, on compte en pile temps pour qu'on ait un jeune papier. On prend 2 ans, 3 ans, même 4 ans, même pour jeune papier. Mais pour Léa, Noé, et pour papier, il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile une fois que vous finissez rentrer au Brésil. Il est facile pour que vous soyez capable de jeune papier. Et ça tellement vrai. L'envie de Léa, premier monde qui vient au Brésil, quel que soit où vous venez, ou venez sous visa, ou venez illégalement, il y a bon papier. Il y a bon papier. Premier sorti résidence sans papier, c'est deuxième nan qui ou pas le payer. Et ou pas payer en pile comme vraiment. Noël, c'est un pays qui est vraiment bon, qui est vraiment bon, même si nous connaissons, et à cause du coronavirus là, et qui partout dans le monde, qui a fait un pile ravage, Noël, comment le pays Brésil lui-même est affecté en pile. Il est affecté quand en pile, on perd du travail, et en pile, monde et il y a un pile problème, le fait que la maladie ça lui-même, il est rentré dans le Brésil, non seulement au Brésil, dans le monde entier, il a fait ravage comme ça, mais le Brésil lui-même, et tout le bagage est censé fermer. Dans le premier temps, tout le bagage était fermé, et il y a un pile travail qui était capé. Jusqu'à maintenant, il y a un pile travail qui n'a pas fonctionné normalement, qui a fonctionné timidement, mais la maladie, jusqu'à maintenant, elle a fait ravage dans le monde. Ça fait nous devons prendre pile précaution pour que nous puissions protéger tête nous pour que nous puissions attraper maladie ça. Nous sommes parlés de Brésil qui a des avantages que Brésil baille et comment pays ça lui-même librement encadré à ICO. Alors nous ne disons pas qu'il y a mais il y a quelques côtés qui sont racistes mais bon ici nous pas tellement fait face avec gens des monde ça.
Et bon, comme frère Samuel, qui c'est un frère qui moi pas grand pile temps de me connaître lui, nous gain environ une année depuis me connaître lui Brésil. C'est un frère qui pendant une année ça me gain de me connaître lui, moi pas rien qui me ca reprocher avec lui. C'est un frère qui m'apprécie en pile et c'est un frère qui est très positif. Et est-ce que quand tu nous en gros frère Samuel, comme on gain un petit cas en Brésil environ une année, est-ce que quand tu nous qui ça qui aurait aimé dans le Brésil et qui s'est occupé par dans le Brésil? Alors, bien entendu, la perception a changé. Il m'a dit que c'est ça qui fait en pile monde. Ça a dit avec réalité différente. Le Brésil n'est pas un pays que nous avons dans le monde, pas en intention. Mais finalement, l'on a regardé comparativement avec Haïti. Et malgré tout effort fait et malgré toute exigence par répondre avec mais finalement ou son pays qui a effondré le monde, son pays qui envoie d'effondrement. Et le fait que son pays qui envoie d'effondrement, en termes d'intelligence, est obligé de mettre dur. Et finalement, le mouvement Brésil, perception a finalement changé parce que dans ce qui a pour voir avec et indicateurs et indices de développement, le Brésil a répondu à tout. Et du point de vue environnemental, tant du point de vue du territoire, tant du point de vue de population et infrastructure de base, santé, éducation, dans le Brésil, bon, c'est un plus gros atout que l'offre. Et je ne peux pas faire là. Lorsque le Brésil, le premier avantage, c'est l'avantage pour l'école gratis. Non seulement pour apprendre maintenant, mais il y a une opportunité pour continuer à étudier l'université, même dans plusieurs départements, dans plusieurs États, et presque tous les États sont couverts ensemble. Donc, ça permet que la voie de sortie soit encore ouverte devant, malgré la question de langue, il paraît un peu compliqué, parce que pour la première fois qu'on fait face avec la langue portugaise, là, ça va nous permettre que le niveau d'adaptation le ralentit, pour permettre qu'il faut bien 10 ans pour adapter avec la langue. Même penser que c'est un pays qui offre un peu l'opportunité en termes de santé, et ou gain assurance santé gratis ou l'hôpital gratis, et quel que soit son gain ou à l'hôpital, quel que soit pour toi habité à ton bon poste qui tout brûle. Et de même pour question l'école là tout. Bon, moi c'est Brésil et dans tout point de vue yo, moi c'est lui répondre à l'exigence pour mon vivre malgré nous même qui c'est étranger. Et ça va nous permettre que le fait que nous quittons la caille nous et ça a l'air là pas aussi raisonnable que nous même nous et internet que nous-mêmes nous venons sentir que ça là il pas raisonnable pour nous mais pour monde qui dans population pour population même il y aura rien aucun problème et c'est une raison pour pas trop voyager tout et parce qu'il y a les caillou manger problème manger résoudre problème éducation résoudre problème santé résoudre et infrastructure de base résoudre donc c'est que conditions ça c'est des conditions humaines et supportables. Même si on a écrit les gens la forêt et alliés, là on parle des questions de développement, forêt et éducation et santé et espérance de vie. Et finalement, on tombe dans le revenu. Parce que le revenu, c'est lui-même qui dernier tarif dans la question indicateur de développement. Et moi, c'est ici à lui répondre à l'exigence et son pays jusqu'à présent, pour façon de traiter nos communautés étrangères, nous ne pouvons pas continuer à féliciter. Exactement. Frère Samuel, nous remercions et en résumé, nous sommes capables de dire que le Brésil est un pays que vous félicitez, bien que nous sommes capables de dire ça n'a pas attendu comme étranger dans ce qui a à voir avec la question de revenus, parce qu'il y a un problème que nous avons comme étranger, il y a un obstacle que nous avons comme étranger, c'est le fait que nous quittons les familles qui sont en Haïti. Ça va nous permettre que vous cherchez un pays qui a un niveau de revenu qui est plus ou moins supportable pour supporter les familles à l'étranger. Mais n'est-ce pas ça? Au moins, si vous n'avez pas une charge qui est plus ou moins pesée sur vous, vous n'avez pas aucun problème pour vivre au Brésil. Et moi-même, comme jeune qui est arrivé ici, je ne sais pas en un des droits, nous sommes capables de féliciter le pays parce que, premièrement,
en pile pays, même dans l'Amérique du Sud, dans la joindre une stabilité en termes de résidence n'est pas aussi facile. Et nous tous nous rendons ça. Et ici, il y a des groupes ici. Il y a quelque soit voie de communication qui rentre, il y a un bon rapide normalement. Donc, moi, c'est ça, ça a félicité. Et autre que cela, moi, c'est le Brésil, son pays qui est plus ou moins vivable. Et plus ou moins vivable. Mais on va dire non, frère Samuel, pour Freudien, est-ce qu'on n'a pas de problème avec Freudien? Est-ce qu'on sent tout à l'aise avec Freudien? Parce qu'on t'a touché point ça. Ah, finalement. La nous, son pays tropical et qui va vraiment chaud. Et... finalement, moi, c'est seulement paramètre environnemental, ça que nous-mêmes, on a comme étranger, nous allons maîtriser. C'est tout à fait différent avec la nous, parce que c'est une autre méthode d'acculturation qui est liée. Exactement. Et sans l'autre moyen pour accommoder, mais étant donné qu'on a un pays déjà, on est obligé d'accommoder avec la culture. Là. Parce que si on vit dans le pays, premièrement, il faut qu'on ait un pays, il faut adapter la culture. La culture, c'est une culture qui est plus ou moins près de lui. Et même moi, c'est finalement nous accepter. Nous acceptons 10 fois, ça n'a finalement habitué avec. Et puis tout, c'est pas. Et bien que le Brésil fait fret, mais il y a un pile d'État qui fait chaud. Qui vraiment fait chaud, si on prend Manaus, si on prend Cuiabá, Bogotá, l'État ça y est vraiment fait chaud. Alors bien entendu, dans tout pays, l'État du Nord, le département Nord, toujours plus fait chaud. Et comparativement à le département Sud, quand il y a presque toute ville qui est dans l'État Sud, là, ou plus ou moins fret. Okay. Mais comparativement avec la ville qui est à Nord, il y a plus ou moins chaud. Okay. Donc, c'est une légère différence que nous n'avons pas voir que les gens qui sont à Nord, ils ont moins senti et c'est qu'on se fait dire comparativement à nous-mêmes. Ok. D'accord, Frère Samuel, c'est comme ça. Nous remercions. Et Robin, Joseph, nous sommes bienvenus en bas live là. Nous pensons pas t'en parler parce que nous sommes toujours là avec nous, les nous faisons live. Et. Lodlin Etienne, bienvenue. Nous comptons bien dans la live aujourd'hui. Hein? Et comme on a fait connecter, la live là, c'est divisé en trois parties. Première partie, là, nous avons parlé de Brésil. De Brésil, comment Brésil fonctionnait et comment qu'il tue pays en est. Et dans la deuxième partie, nous parlons d'un débat biblique qui est vraiment intéressant. Qui est vraiment intéressant. Nous souhaitons toujours connecter pour que vous puissiez participer dans le débat biblique là. Et troisième partie, hein, nous allons poser des questions. Et moun ki pon question a gen accès pour mes minutes pour yo, mais c'est moun ka viv Haïti ou bien en République Dominicaine. En République Dominicaine. Bon frère Samuel, si tu as un conseil que tu as remis ba yon moun ki Haïti ou bien dans l'autre pays qui t'a vle vinn Brésil, soit vinn faire touriste ou bien vinn habiter, qui conseil que tu as porté pour moun sa yo? Premièrement, nous doué honnête et nous sincère. Je ne sais pas si en Haïti. Je ne conseil en Haïti. Que vous avez ici. Je suis obligé d'être honnête. Il y a un pays qui est courant. Et si tu es Haïti, et son pays qui est en politique pour les courir derrière les gens, je pense que si il y a un monde qui est en Haïti, de tous les moyens, s'il vient de moi d'entrer ici, c'est à féliciter. Et deuxièmement, si il y a un monde qui est dans l'autre pays, et peut-être qu'on est capable de faire une statistique, une étude des lieux pour voir en ici à côté de l'IA qui est ce qui est plus raisonnable pour vivre. Mais comparativement à un monde qui est en Haïti personnellement, il m'a c'est jusqu'à présent, il y a deux catégories, il n'y a pas de monde qui est en Haïti. Il m'a c'est ces monde qui sont là pour vous, ils sont dans le gouvernement, ou bien ils ont des alliés qui sont dans le et qui sont en Haïti. Deuxième catégorie, c'est catégorie moun qui pas gain du tout pour aller dans leur côté. Parce que finalement, on a constaté un vague migratoire. Et ceci, c'est pas dans la dernière année, ça. C'est depuis l'année 1950 que vague migratoire a fait. Et ouais, de jour en jour, on a multiplié. Parce que Haïti, finalement, n'a pas offert mon nom. Hein. Oui, absolument. Donc, et surtout, dans le dernier temps, ça, on a regardé une question de sécurité. Pas trop de problème en sécurité, pas tout. Mais ça n'a constaté en Haïti, hein, son état qui est invivable. Son état qui est ingouvernable et qui est invivable. Maintenant, c'est de tous les moyens. Si on a une opportunité pour quitter le pays, il faut quitter. Maintenant, on est obligé de honnête. On va prendre des vérités. Pas de vérité. Cher Milange, nous sommes bienvenus en bas de la France.
Et Léonie Vallon, nous sommes bienvenus. On a été assisté live jusqu'à la fin. Parce que nous avons un débat biblique là qui parle vraiment, vraiment intéressant. Bon, nous sommes parlé un peu de Brésil. Nous n'avons pas de monde qui a une question. Si tu avais posé une question concernant la partie live là. Et si tu as une question, nous allons entrer dans la deuxième partie live là, qui c'est un débat biblique. Bon, dans le secteur religieux, il y a un passage dans la Bible qui est vraiment un problème. Côté chaque dénomination interprétée d'une façon qui est vraiment différente, qui pas interprétée d'après la Bible, façon que tu as dû interpréter la vraiment. Et, mais je dis, nous avons avec nos frères Samuel, c'est un frère, et bon, nous avons fait un éloge pour lui, c'est un frère qui a une pile connaissance dans la Bible. Une tradition étudiante biblique, non pas d'un pasteur, mais c'est un frère qui. Il y a une connaissance dans la Bible. Nous avons avec nous aujourd'hui qui pourra faire un râler avec nous concernant le passage ça qui nous vient dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, il parle de 144 000. 144 000, c'est un passage côté en pile dénomination. Et il y a un peu de monde qui fait comprendre que le passage ça, 144 000 là, c'est 144 000 personnes qui ont sauvé. Mais aujourd'hui, nous pourrons parler, nous pourrons dire. Est-ce que vraiment c'est 54 000 personnes qui ont sauvé ou bien c'est pas eux-mêmes? Parce que nous connaissons Apocalypse, c'est un livre prophétique, c'est pas un livre qui est interprété, même avec l'autre livre qui est dans la Bible. Mais Apocalypse, c'est un livre prophétique, il faut qu'on vraiment comprendre ça, c'est la prophétie, parce que Apocalypse, il y a un langage là-dedans littéral et il y a un langage là-dedans symbolique. Il faut qu'on soit assez intelligent. Pour qu'on puisse vraiment interpréter l'Apocalypse. Nous avons fait lecture et nous avons lu depuis Apocalypse 14, qui dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. Et j'entendais du ciel une voix comme un bruit de grosse le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils n'ont point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Frère Samuel, comment tu es capable d'interpréter la Bible et passer ça d'après la Bible? Si nous connaissons la Bible, c'est pas un livre qui même genre avec l'autre livre. Parce que la Bible, pour interpréter la Bible, on peut choisir l'autre livre pour interpréter la Bible. C'est la Bible même qui interprète tête li. Cela veut dire que pas un verset qui compte verset dans la Bible. Comment tu as interprété Apocalypse 14? Bien entendu, pour nous comprendre le livre Apocalypse, il faut nous comprendre le contexte que le livre a écrit. Le livre a écrit dans un contexte qui est bien déterminé. Il est écrit dans un contexte qui est fragile. Et même Jean, au temps de Louis XIV, les Voltaire, les Rousseau, et les philosophes du XVIIIe siècle, lorsque tu as écrit, ils ont écrit dans un contexte qui est très imagé et qui est très symbolique. Parce qu'à l'époque, pour t'écrire, il faut t'écrire pour te plaire au roi. Donc, on n'a pas écrit en désaccord avec le roi. François a écrit à plaire au roi. Et c'est une raison à garder que. La fontaine qui t'a passé, il décrit situation, le loup et l'agneau, la mort et le chéron, de manière imagée. Mais c'était réalité sociétale qui t'a dépeint. De même, Jean, dans le contexte d'écrit Apocalypse, ça, c'est pour moi que Apocalypse décrit dans le contexte côté Jean lui exilé sur l'île de Patmos. Premièrement, le contexte pour l'être qui arrive, son contexte qui est très fragile. Donc, bon Dieu permet que les gens utilisent un symbole, une écriture qui est très symbolique pour l'écrit Apocalypse. Et c'est une raison pour que Apocalypse l'écrit très symbolique, l'écrit très imagé. Et
ou après des lions qui gagnent des formes d'aigle, ou après des léopards, ou après des bêtes qui effrayables mais qui pas existaient dans le réel. C'est des bêtes qui très imagées qui utilisées, c'est des symboles qui très imagés qui utilisés, mais qui pas existaient dans le réel de façon à ce que il est avec Dieu, c'est Dieu. Et de toute évidence, le livre-là t'a privé jusqu'à présent à nous-mêmes. Mais Dieu lui utilise le contexte surtout parce que chaque écrivain et chaque écrivain de la Bible et chaque auteur et on dit écrivain, chaque écrivain de la Bible, il écrit dans un contexte qui est tout à fait particulier. De même, Apocalypse 14 à cause de là qui parlait des 144 000, son texte qui fait couler beaucoup d'encre. Il fait couler beaucoup d'encre dans la mesure où en pile on comprend que les 144 000, c'est 144 000 monde qui a sauvé. Dans l'autre catégorie, monde qui comprennent que 144 000 ans, c'est 144 000 monde qui a sauvé, mais qui va le sacrificateur avec Dieu, qui va vivre dans le ciel avec Dieu et qui va diriger la terre. Et surtout, les témoins de Jéhovah, ils ont une compréhension comme ça de la Bible. Mais maintenant, si nous regardons le texte, il y a deux choses pour comprendre dans le texte. Là. Et Apocalypse 14, il est corroboré avec Apocalypse chapitre 7. On regarde pour nous, Apocalypse 14, il parle de 144 000. Il dit, je regardais, et voici, l'agneau s'éteignait sur la montagne, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ça permet qu'un pile monde comprenne que les 144 000 personnes, c'est 144 000 personnes, ça va pas sauver seulement. Mais si on regarde en référence à Apocalypse chapitre 7, parce que la Bible n'est pas contredite, Apocalypse chapitre 7, il fait une description toujours des 144 000. Jean dit, je regardais Apocalypse chapitre 7, le verset 1er. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflaient point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun autre arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil le vent et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Premièrement, il faut nous camper sur ça. Et Apocalypse, c'est un livre qui présentait les événements derniers. Et nous devons d'accord tout, au retour de Jésus, à bien monde qui vit sur la terre. Certainement. Même Jean lui fait description de avant de lui là, les hommes mangeaient, buvaient et mariaient ses enfants. Il en est de même tout au retour de Jésus-Christ, à bien des chrétiens qui vivent. Donc, s'il y a bien des chrétiens qui vivent, et texte permet de nous comprendre Apocalypse chapitre 7 là, il y a un autre qui passait pour pas faire mal à la terre et à la mer, jusqu'à ce que les anges aient fini par marquer du sceau de Dieu le front des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est comme si nous allons dire, dans cette grande tribulation qui vient pour frapper et la terre, pour petit bon Dieu résister, il faudrait bien que vous marquiez. Et il faut que vous marquiez. C'est ça qui va permettre que vous êtes capable de résister à cette grande tribulation. Mais maintenant, où les anges disent comme ça, on quimbe les quatre vents, on ne peut pas faire mal à la terre et à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué et le dissous, le pour des serviteurs de notre Dieu. Et le verset 4, il continue. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, dit ça, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, comme comprendre, toujours dans l'Apocalypse, il y a deux bagages pour comprendre l'Apocalypse. Il y a tendez et ouais. Là, il va dire ouais. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, dit ça, 144 000 de toutes les tribus de la terre. C'est-à-dire, avant cette grande tribulation, avant le retour de Jésus-Christ, moun kap rete vivant comme chrétien kap servi Christ, faut que c'est lui. Et c'est ça fait, texte là-bas, nous approche que le nombre est 144 000. J'entends le nombre dans 144 000. Mais texte là va arrêter là. Dans verset 9 là, Jean, ouais, ça s'étendait, Jean t'étendait 144 000 là, mais au verset 9, après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus des robes blanches et des pâles dans leurs mains. C'est-à-dire, dans un premier temps,
Dans cette vision et j'en gagne, hein? Non, premier temps, j'entendais le nombre qui est marqué du sol de Dieu, c'est 144. Ce qui ça laisse nous comprendre, ça laisse nous comprendre que au retour de Jésus-Christ, il y a des vivants sur la terre. Et c'est en corroboration avec le texte de Thessaloniciens. Nous ne mourons pas tous. Donc, lorsque Christ reviendra, les vivants reviennent pour nous transformer, les morts en Christ pour nous ressusciter. Ensemble, cette grande foule va nous rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Donc, ça dit, en premier temps, j'entendais le nombre de serviteurs qui m'a accueilli, c'est 144. Ça permet de comprendre que, avant le retour de Jésus-Christ, les sauvés vivants, ils sont au nombre de 144. Mais vivre avec les morts qui ressuscitaient, ça constituait la grande foule pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc, c'est un texte qui permet qu'un pile monde mal interprété, et il y a plusieurs dénominations qui interprètent 144 000 comme 144 000 monde qui sauvé, même dit ça a une aberration. Depuis Adam pour vivre dans le dernier grand monde, pour 144 000. Mais pas de monde qui savait bon Dieu du tout. Non, mais frère Wilmer, comme tu comprends que depuis Adam pour vivre sur le dernier grand monde qui vient pour sauver 144 000, donc, on a besoin, on monde là, servir bon Dieu comme il y a là où tu as besoin de comme une bolette. Donc, j'ai regardé après, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter. Si tu es cette grande foule, tu vas rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et frère Samuel, nous vraiment remercions et nous vraiment félicitons de façon si claire que vous interprétez Apocalypse 14. Apocalypse 14, c'est un texte vraiment, et en plus le monde mal comprenait, en plus le monde interprétait, il y a une façon qui est différente, mais d'après la Bible, façon que vous interprétez là, ce n'est pas 144 000 monde qui ont sauvé, mais c'est 144 000 monde vivants, 4 000 monde qui sont déjà scellés, mais c'est eux-mêmes. Cap sauvé, cap monté avec Christ. Et ceci tellement vrai pour nous comprendre. C'est ça que fait Angelan dit. Pas qu'on fait mal à la terre et à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué dissous. C'est-à-dire, les vivants et cap vivent au retour de Jésus-Christ, faudrait-il bien qu'ils vous marquent de cette saut. Ouais, ouais. Donc, si vous n'avez pas marqué de saut, ça, pour être capable de résister à cette grande tribulation, donc, il y a perdu. Donc, faut que vous ayez marqué dissous. Et lorsque vous finissez marqué, Jésus-Christ vous retourne, je vous joins avec la ressuscité, qui a constitué cette grande foule. C'est-à-dire que ce n'est pas 144 000 personnes qui ont sauvé. Ni un peu le monde fait comprendre, ni un peu la dénomination comprendre que les 144 000 personnes, ça, c'est 144 000 personnes qui pourraient le diriger dans le ciel avec Christ. Donc, ce sont pas quelques toiboïs qui viennent autour des textes. Mais ça qui est clair, la Bible explique tête-là. La Bible a l'explication de tête-là. Et moi, c'est que nous n'avons pas besoin d'autres outils pour expliquer la Bible, appliquer la Bible. Et frère Samuel, ça que nous t'avons mis, et ça que nous t'avons mis, une petite explication, nous t'avons mis un petit éclaircissement sur lui. Là, quand il dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'après les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Mais là, il parle des gens qui ne sont pas souillés avec femmes. Mais qui sont des femmes qui apparaissent? Est-ce que c'est un monde qui a un garçon qui a un comment on interprète ça même, frère Samuel? Alors, vous venez comprendre que la femme dans la Bible et surtout dans l'Apocalypse, elle représente l'Église. Et c'est ça qu'il faut voir que Christ lui dit que c'est époux et l'Église de ses épouses. Maintenant, pour comprendre des textes et ou questions posées, faudrait-il bien que nous retournions dans Matthieu chapitre 25? Pour nous apprendre la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, ce n'est pas 10 personnes qui partent comme garçon. Ce n'est pas 10 personnes qui font une relation et sexuelle. Ce n'est pas ça. Mais ça te présenté un style de vie. C'était un style de vie. Il en est de même dans l'Apocalypse qui fait référence à 144 000 personnes. C'est des vierges qui partent souillées avec des femmes. Et puisque dans l'Apocalypse, il est question de deux femmes, la femme prostituée qui représente Babylone, et la femme qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui est l'église de Jésus-Christ. Maintenant, les gens qui ne peuvent pas prostituer avec des femmes, c'est-à-dire c'est des gens qui ne peuvent pas participer dans un Babylone. Exactement. C'est-à-dire c'est des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le contrat avec Babylone. Et la Babylone qui est Apocalypse et présentée là, c'est l'église qui a détourné les commandements de l'Éternel. Donc c'est-à-dire tout le monde qui a détourné les commandements de l'Éternel, donc aurait les Babylones.
parce que Babylon veut dire confusion, ou na erreur, ou na confusion. Mais c'est à dire, moun, ça, c'est des moun, et même Jean Texas dit, qui suivent l'agneau, partout où l'agneau est bas. Si vous savez chanter cantique là. Non, mais si vous pas sauvé, frère Wilmer, ou pas chanter cantique ça, faudrait bien qu'on chante, ou sauver, pour chanter ce cantique. Parce que lorsque vous regardez dans cette grande tribulation qu'on sortit, lorsque vous regardez la foule des perdus, donc, ou bon cantique, pour chanter réellement. Donc, mais question posée, c'est pas pour des gens qui n'ont pas gagné une vie sentimentale, une vie sexuelle, c'est pas ça. Mais c'est des gens, lorsque on dit qu'ils pas prostitués avec des femmes, c'est-à-dire c'est des gens qui pas prostitués avec Babylone, c'est des gens qui pas rentrés dans le compromis Babylone, c'est des gens qui pas adoré ni Babylone, ni la bête, ni son image. Donc, c'est des gens qui étaient fidèles au commandement de l'Éternel. Donc, c'est ça qui fait que c'est des gens qui pas souillés avec des femmes. Donc, c'est dans l'idée de texte, pour nous comprendre ce qu'il y a avec des femmes, ça. C'est dans Matthieu chapitre 25, on voit la parole des 10 vierges, c'est-à-dire, les 10 vierges, c'est pas 10 monde qui n'ont pas de bonne relation sexuelle, c'est pas de bonne sentimentale, mais c'est des monde qui tapent suivre le commandement de l'Éternel, c'est des monde qui tapent suivre mon Dieu, c'est ça qui fait mon Dieu, le niveau des vierges. Encore une fois, Frère Samuel, nous remercions, nous félicitons en pile pour façon si claire qui nous interprétez Apocalypse 14. Maintenant, nous faisons place à une question. Certainement, nous pouvons avoir une question concernant Apocalypse 14 que nous sommes débattre là. Nous sommes comprendre que 144 000 personnes qui ont parlé d'Apocalypse 14 là, ce n'est pas 144 000 personnes qui ont sauvé, mais au contraire, c'est 144 000 personnes qui vivent sur la terre qui sauvé et bien côté qui ont monté avec Christ pour aller dans le ciel là. Et une chose pour nous ajouter, pour être plus clair pour les téléspectateurs. Alors, pour nous dire que 144 000 personnes, et Apocalypse 14 présenté, pour nous comprendre, nous comprenons dans Apocalypse chapitre 7. 144 000 personnes, c'est 144 000 personnes qui ont marqué du saut. C'est-à-dire, c'est des vivants qui doivent marquer du saut pour résister à cette grande tribulation. Mais lorsque j'en ai dans la deuxième phase vision, regardez cette grande foule, c'est joindre avec les ressuscités, les morts en Christ qui étaient ressuscités. Parce que pour comprendre ça, les noms dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, on nous doit détecter ça pour nous comprendre l'idée. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, le dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuits. C'est-à-dire, c'est des groupes qui vont pouvoir rencontrer le Seigneur. Premièrement, c'est les morts en Christ qui vont rester. Rencontrer avec les vivants en un instant, les vivants, ça aussi eux-mêmes qui étaient marqués du saut, qui transforment en un instant, constituer cette grande foule. Rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Maintenant, nous faisons place avec question. Si on y a une question, on va poser des questions, si on pas clair sur le passage que nous sommes liés dans Apocalypse 14. Si nous pas clair, nous va poser des questions. Sœur Milan, si on a une question, on va poser des questions. Ronald Joseph, si on a une question, on va poser des questions. Maintenant, nous faisons place avec monde qui a une question. Bon, t'as semblé pas une question. Si toutefois, pas une question, c'est que le texte a été aussi clair tout. Il est aussi clair pour tout le monde. C'était aussi clair. Et si toutefois, t'as une question, et même si c'était après, que nous pensons qu'il y a une explication qui est capable de venir. Oui, capable de venir. Capable de venir. Bon, nous déjà mettez fin avec des tiens et nous avons un monde saint domaine Al Joseph, c'est que celle lui-même bien. Là, nous parlons mon Haïti là. Nous avons simplement on a posé trois questions. Première question n'est pas difficile, question qui est très très facile. Et première question à poser, et qui monde qui te dit parole célèbre ça? Qui dit chaque bourrique boit dans son pâturage. Bon, nous avons ces questions spécialement à Ronald Joseph, parce qu'il n'y a pas d'autre monde encore qui est Saint-Domingue ou bien qui est Haïti. Qui est le monde qui te dit que chaque bourrique boit dans son pâturage. Parole célèbre ça. Nous avons environ 15 secondes
pour répondre à la question. Hein? Ronald Joseph, par contre, tu es là? Donc, nous avons gagné. Alors, nous avons contrôlé. Temps déjà expiré. Bon, on a posé une autre question. On ne pas comprendre. Ronald Joseph, vous ne pas comprendre? Moi, je dis, est-ce que dit nous, tout le monde qui te dit parole célèbre, ça, qui dit que chaque bruit boit dans son pâturage? Que chaque bruit boit dans son pâturage? Je connais si les temps pas attendre bien ou bien si tu comprends pas comprendre. Même moi qui là, moi pas comprendre. Est-ce qu'on va faire passer à la deuxième question? Bon, on a passé dans la deuxième question. Hein. Deuxième question, hein, et on a parlé de. Nous parlons de questions sur Facebook. Facebook, on connaît. Nous avons dit que c'est plus gros et réseau. Celle qui existait, bah ouais, fais ça. Pourquoi ça? Ouais, c'est Pigo Réseau. Ah, et Tamara et bon répondre. Tamara et bon, bah moi. Tamara et bon, ça s'agit. Ça s'agit. Tamara et bon, et bon, moi. Bah non, Tamara et bon. Tamara et bon, monté. Ah, ok. Bon, Tamara et bon, c'est Robin Travel, c'est Bon Vatenev. Et c'est ici la ville tout, mais c'est un youtubeur tout, ou bien tu as même. Okay. C'est un youtubeur, nous fonctionnons ensemble, nous toujours ensemble. On ne peut pas comprendre la question. Ronald Joseph dit ne pas comprendre la question. Bon, question qui t'a répondu, mais malheureusement, c'est un monde qui a vu au Brésil qui répond à la question. Hein? Nous allons poser une autre question. Ronald Joseph, question c'est de Facebook. Nous connaissons Facebook, c'est Pigo Réseau. Et ceux qui existaient, ils ont inventé Facebook. Ronald Joseph, dans quelle année que ils ont inventé Facebook? Donné Valant du clavier, et monsieur c'est Aubin Joseph, monsieur c'est bon partenaire, monsieur c'est un youtubeur, tout est très bientôt là, lui c'est. Et t'as le constat, monsieur, quoi le faire en live? Nous conseillons nous avons assisté à la VCR et la VCR est très intéressant. Ronald, moi pas connais. Moi pas connais. Bon, Ronald, nous, le fait que vous ne connaissez pas, nous allons poser une petite question biblique. Une petite question biblique, je pense que vous allez répondre. Une question biblique, comme nous sommes parlé d'Apocalypse, Apocalypse, est-ce que vous avez dit. Qui est le monde qui t'a écrit le livre Apocalypse là et qui côté qu'elle t'a écrit le livre Apocalypse là? Ronald Joseph. Bon, moi, c'est une question que tu as déjà répondu à exposer. Hein? Bon. Alors, par contre, s'il était là dans le commencement, ah, oui, là. Tout à fait. Ronald Joseph, si tu es là dans le commencement, là, je pense qu'on ne va pas répondre à ça. Qui est le monde qui a écrit le livre Apocalypse et. Qui bon que mon ante écrit le livre Apocalypse. Facebook inventé, c'est l'année 2004. L'année 2004, Facebook inventé. Wagner Santo, nous déjà répondu à une question et puis tu ne peux pas vivre à Haïti. Année 2004, Facebook inventé. Ronald Joseph, qui a écrit livre Apocalypse là et qui boque. Mais ça, c'est une question qui est très facile. Surtout là, dans le commencement live, là où tu as répondu à la question. Merci, Wagner Santos, c'est février 2004. Merci, félicitations. C'est à titre d'encouragement mérité. Ouais. Donc, quand même, nous félicitons parce que vous assistez live avec nous.
et celle ou même celle qui a vu Saint-Domingue et par exemple en Haïti là, n'a pas de cadeau, ou même quitter le numéro de téléphone pour nous, n'a pas mis une minute pour. Quitter le numéro de téléphone pour nous. Et n'a pas de réponse à la question. Hein? Mon qui écrit Apocalypse, apôtre Jean, il écrit dans la ville. Dans l'île de Patmos. C'est apôtre Jean qui écrit Apocalypse, il écrit dans l'île de Patmos, resté en exil dans l'île de Patmos. On a Joseph pour mettre quitter le numéro de téléphone, nous, on a mis une minute pour. Quitter le numéro de téléphone, non? N'a pas nous mettre le numéro de téléphone pour nous apprendre, pour nous mettre une minute là pour Ronald Joseph. Ok, merci Ronald Joseph, n'a pas le numéro 1. Ok, ça vient. D'accord, c'était vraiment un plaisir pour nous ensemble avec nous. Et nous pensons que mon moment est très enrichissant. Dans une plus prochaine occasion, on est capable de rencontrer. C'est toujours un plaisir et faire une pour nous répondre à l'invitation. Ça te fait un plaisir aujourd'hui. Je suis capable de croiser à une plus prochaine occasion. D'accord, Frère Samuel, nous sommes contents. Vous êtes avec nous dans la live là. C'est un plaisir, Frère Willem. D'accord, merci. À votre disponibilité. D'accord, merci. D'accord. Et nous remercions chaque monde qui a participé dans la live là. Et nous avons connu. Et depuis, il y a possibilité, chaque dimanche, nous toujours fait live. Et dans la live, on fait malheureusement débat. Et nous sommes bienvenus dans la live là. Et nous sommes live là. Quand il live là, pour plus de monde qui a venu, République Dominicaine ou Brésil, nous la connaissons pour toi. On a Joseph, nous pouvons le mettre une minute là pour. D'accord, nous pouvons le mettre une minute là pour. C'était un grand plaisir pour qu'il nous ait avec nous dans le live là. Nous sommes contents le fait qu'il nous te réponde avec l'invitation ça. Et nous avons toujours fait chaque dimanche depuis que nous avons une possibilité de vivre que bon Dieu permette nous.